Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette petite vidéo. On se retrouve encore un temps merveilleux. Qui dit temps merveilleux dit balade. Et aujourd'hui on va normalement partir avec Jade et Saphir, peut-être Quantum, mais a priori elle était plus partie pour prendre Saphir. Petite balade à Hourtin, donc c'est un lac qui est au nord de Bordeaux, dans le Médoc exactement. Voilà, donc on va faire la piste cavalière qu'on avait essayé de faire avec Lucas à l'époque à vélo. Lui il était à vélo, moi j'étais à cheval, mais c'était trop compliqué à vélo, ça s'enfonçait trop. Du coup j'étais restée sur la piste cyclable, enfin c'était pas ouf. Donc là les chevaux sont prêts, enfin du moins Bali est en train de manger, il me reste juste à charger les affaires rapidement dans la voiture. Et si vous me voyez un peu pimpé, c'est tout simplement, enfin du moins avec le tailleur, c'est tout simplement parce que j'avais rendez-vous ce matin à la banque pour, vous savez, le projet immobilier etc, pour connaître la capacité d'emprunt que je pouvais avoir. J'avais rendez-vous à 11h, je suis arrivée bien évidemment à moins 5. Voilà, timing parfait pour être en avance, c'est toujours bien vu. Elle finissait tranquillement avec son précédent client, j'ai eu pas de problème. Sauf que comme ça, j'ai attendu une demi-heure. Voilà, à 30, elle avait toujours pas fini, donc j'ai même attendu 35 minutes. J'ai dit, il y a un moment en fait, qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai changé de conseillère, c'est une toute nouvelle que j'avais là, une petite jeune. Et visiblement, ça va pas commencer très très bien entre nous parce que... Sans prévenir, sans rien, mais elle me fait poireauter, voilà, elle me fait patienter, elle me dit bon, mais jusqu'à quand j'attends en fait? Et moi je dois enchaîner, j'ai rendez-vous derrière avec Jade, j'ai 1h30 de route, voilà, est-ce que je t'attends meuf, le rendez-vous il va durer combien de temps? 1 heure, 5 minutes, voilà. Au final elle m'a envoyé ce dont j'avais besoin par mail, bon, mais très bien, à quoi ça servait qu'on se rencontre? Enfin bref, tout va bien, sinon la banque postale à la base je vous kiffais, là ça commence à devenir un petit peu compliqué visiblement, la communication est pas ouf. Maintenant c'est parti pour s'éclater, donc je vais aller charger les affaires, je charge Bali et on est parti pour aller rejoindre les copains. Comme je vous le disais, Bali est en train de manger tranquillement. Et moi normalement j'ai rien oublié, j'ai pris mes bottes, mon casque... j'ai ma selle, important, la selle avec la sangle, j'ai les deux, tapis, amortisseur, bridon, sac de pansage, on a tout, on est prêt à embarquer la bête. Oh oui oui, t'as les protec. La maladie de Harper, ça fait exactement ça d'ailleurs, comme si un cheval se déplaçait avec ses protections, c'est tout pareil. Allez on est parti. Non, non mais non. Il me manque quelqu'un là. Mais oui, c'est parti où? Bah il marche, c'est super, c'est très bien ça. Très bien mon gros. Parfait. Toi tu restes là. C'est vrai que le plan il n'était pas très stable. Super. Allez, à tout à l'heure. Ah non, si je détache pas le pont, ça va pas marcher. On est arrivé. Coucou. Moi mon chat. Et regardez qui c'est qu'on a trouvé. Un boubou sauvage. Oreo. Et ah non, c'est un vent. Merci. Bon, mais je vais rester avec mon poney alors. Attends, 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 c'est pas détaché encore. Oh, 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 on se détend la nouille là. Oh, qu'est-ce que c'est ce bruit? T'es le copain. Ça fait longtemps. Qu'est-ce que c'est? Je t'avais dit qu'on allait avec Saphir aujourd'hui. Mais oui. Oh, non. Ah, il va encore. Je sais pas, ça fait bien plusieurs mois là. Mais je sais pas quand c'était. Je sais plus du tout. C'était le même temps. C'est possible. Wow. L'Hunter ou la balade dont on n'est jamais revenu. Sain et sauf. Je rappelle la dernière fois qu'on est parti en balade avec Jade, comme ça qu'on a voulu partir en aventure, on a cru qu'on allait jamais rentrer. Parce que on s'est perdu. Ça a été un enfer sans nom. Là, c'est balisé. Un point GPS, là. Bah, on sait que ça s'appelle piqueux machin là. Oui, on savait là-bas que c'était... Là, l'avantage, c'est que c'est vraiment balisé de A à Z et c'est très bien fait, contrairement à là-bas. Là-bas, c'était mal fait. Surtout... Je viens de me faire engueuler parce que j'avais pas pris le bon tapis. Heureusement que j'en avais pris deux. Je voulais partir avec ce petit tapis Fuganza en mode c'est une balade tranquille, enfin on s'en fiche. Mais je me suis fait engueuler par cette personne-là. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit
Petit sondage, est-ce que vous préférez ce tapis-là pour partir en balade? Si, si. Qui vote pour qu'on le brûle? Non, mais il est pas brûlé ce tapis, arrêtez, il est très bien. Non. Mais heureusement, j'ai pris un joli tapis Bordeaux du coup. Pour qu'on soit assorti. Voilà. Comme ça, effectivement, on sera assorti à Jade et un petit peu à Saphir qui a le petit liseré aussi sur le tapis. On partait en cordelette. Ah oui. Et nous, on va partir en mort. Bah oui, bah oui. Allez, on est parti. Donc Bali connaît plus ou moins ici. Saphir, non, mais bon. Celui qui va refuser d'avancer, on sait très bien que c'est Bali parce qu'il aura peur de tout. Alors que Saphir, non. Bah oui, hein, franchement. Ça va être trop bien. Pas du tout combien de temps, par contre, on va partir. J'ai aucune idée du temps que fait la boucle au final. Bon, on suit du coup ces panneaux là. Hein, quand c'est orange droit comme ça, ça veut dire on va tout droit. Bah, Lisa a compris, ça fait 5 minutes que t'es devant, je sais pas ce qui se passe. Mais c'est bien, c'est très très bien. Jade, tu vas être dans le même cas que moi, mais là on se demande pourquoi on a pris nos beaux casques. T'as pris le moche, putain, moi j'ai pris le... Alors déjà, tu te calmes. Non mais oui, non mais t'as pris le moins bien. Moi j'ai pris mon préféré, et à chaque fois je me dis, mais pourquoi quand tu pars en balade, tu prends le plus joli, alors qu'il y a des branches absolument partout, que je suis obligée de baisser la tête pour le protéger, parce que je veux pas qu'il soit rayé, enfin bref. Et moi, vu que j'ai pris le moche... Attends. Toi, vu que t'as pris le moche, tu crains rien. C'est vraiment très agréable, on est sous les pins, il fait encore hyper beau. Je sais pas combien il fait vraiment pas froid, on est en t-shirt, un peu, il doit faire 20 degrés je pense. Et les chevaux vont bien transpirer à mon avis, même si on galope pas comme des teuteux. Ils ne s'arrêtent pas de monter, de descendre, de monter, de descendre. Et là c'est le début de la balade et ça commence déjà à être un peu humide. Mais c'est très cool, Bali en tout cas visiblement est content d'être là. Lui, il kiffe faire son petit cheval de tête là. Oui, non mais oui. En fait, je pensais que c'était vraiment au niveau du garrot qu'elle l'avait fait, mais non, c'est vraiment non, au milieu. C'est pile à l'endroit où moi-même, je me tiens encore de l'aide. Enfin, c'est là normalement. Tu vois où je me tiens. Et puis... Pourquoi tu prêtes mieux que moi? Petit point sur le lac. En fait, on est coincé entre le lac d'Ourtin, donc qui est ici. Ah, Oreo, il a soif, mais ça va faire un... Oreo, ça va faire un peu bas, là, quand même. Hein. Ourtin, pardon. À chaque fois, je me trompe. Ouais. Et à droite, tout au fond, derrière, il y a la plage. Cucu. Tu vas le reprendre de l'autre côté du lac. Jade, elle vient de voir sur le GPS que Oreo est descendu tout en bas. Il est dans l'eau. C'est très 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 haut. Donc il est descendu, ouais, ça va. Monte. Mais voilà, pour remonter, ça va être moins sympa. Il barbote et il est un peu loin du point sur lequel on était. C'est très bien. Le point remonte vers nous. C'est déjà quelque chose de positif. Mais il faut qu'il remonte. Il doit y avoir 20 mètres de haut, je pense. C'est bien pentu. Et surtout, il y a un GPS. Oui, par contre, le tracker, ça, on adore. C'est quoi ta marque? Tractive. Non, c'est génial. Hein. C'est branché sur le collier. Et puis, vous avez le GPS en permanence pour savoir où est l'animal. Oh, tu nous casses les oreilles, là. Oreo n'est pas fugueur, mais il aime l'eau. Ah, et un petit pipi. Et bibi. Ah oui, t'as été à l'eau. Hein. Ça fait du bien. Du coup, j'ai encore envie d'aller à l'eau. J'ai soif, je vais redescendre. Il est à l'eau. Non, mais ça tire à terre.
dessus. Ah, j'ai envie de hurler. Oui, mais il n'y a pas de, de panneau. Là, il y aurait un panneau, Jade, c'est sûr. En tout cas, faut que tu marches, sinon tu vas finir par terre. J'en ai raté. Là, c'est sûr et certain, il y aura un panneau pour qu'on sache où on va. Ouais, mais en même temps, si, là, mais regarde, il est là. Caché là. C'est bon. Là, c'est bon. Donc, on était d'accord toutes les deux. C'est, on s'est retrouvés. Donc, tu vois, au final, moi, je t'ai ramené sur le bon chemin aussi. On sait qu'on doit prendre les chemins avec la barre orange. Tout droit là ou tout droit là. La barre orange. Pour les chemins. On est retourné sur la route départ. Non, on ne connaît pas du tout. En fait, c'est un axe qui est pour les véhicules, okay. Les vélos. Par là, vous allez vers le lac. Ouais. Okay. Et là, en fait, dans ce sens-là, vous longez parallèlement le lac et la route. On sait qu'on doit poursuivre le chemin avec. Il y a une pancarte avec l'entrée. C'est les balisages orange, ouais. Ouais, le balisage, mais là, il nous dit d'aller tout droit. Ouais. Et on a un doute. C'est là. Ou si. C'est là. Ah, mais on suit au réo alors. Bon, ils nous ont pas trop aidés, les gendarmes, ils savaient pas. Oh, t'as le casque qui est plein de pollen derrière. Je pense que c'est du sable, mais qu'il y a beaucoup de pollen sur le sable. Donc, on est un peu perdu sur les orientations, là, des balisages encore. On va vers la plage et on remonte gentiment, en fait. De toute façon, à un moment, le sentier, il colle à la plage. Il va falloir qu'on rejoigne la plage pour remonter. On a fait demi-tour, on était parti dans cette direction là-bas, mais. Au croisement, il n'y avait pas de balise. Et normalement, à chaque croisement, il y a une balise pour qu'on sache où aller. Donc, c'était sûr que c'était pas la bonne direction. Donc, on revient gentiment sur la précédente balise qu'on a vue. Qui est juste au niveau du pin, là. Ça va bien se passer. On le rejoint dans 30 secondes. Regarde, la balise, elle est derrière cet arbre, là. Derrière cette petite touffe. C'est très bien, mon chat. Je suis très fière de toi. C'est super, elle est là, la balise. Donc là, elle nous dit, regardez comme c'est bien fait. Mais c'est bon, j'ai voilà, c'est très bien fait en fait. Recule. Non, mais balise, stop. Et oh, on se calme. On se détend. Il y a une balise là qui nous dit d'aller tout droit, et il y a une autre balise là. Hop, regarde, on va le rejoindre doucement. Mais il y a trois balises. Meuf, il y avait trois balises sous notre nez. On n'a pas été capable de les voir. Il y en a une autre ici. Il y en a une autre qui est juste là. Mais c'était... Bali, préviens quand tu pars au trot. Là, c'est à droite. Et là, c'est à gauche et tout droit. Oh. Et voilà, regarde, il va être là, le copain. Oh. Il arrive. Il arrive tranquillement, mais il arrive. Tu vas te mettre debout, toi, c'est pas possible. Doucement. Mais... Il est insupportable. Il arrive. Oui, le chemin il est là. Voilà, c'est bon. Ah, et tu vas l'agresser encore? Tu vas lui coucher les oreilles? Non? Oh, copain. Jade, elle est contente parce qu'on a retrouvé un chemin dur. Écoutez le bruit que ça fait. Oh, wow. On entend les sabots. Il se passe rien du tout. Mais il boitera ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Mais jamais de la vie. Six hours later. Non, ça fait combien de temps? Trop longtemps. On est pas. Quelle heure il est? Vraiment, quelle heure il est? On est parti un peu avant 15h. Ouais, on va dire qu'on est parti à 15h. 17h04. Ça fait 2h qu'on est parti. Mais ça fait 2h qu'on fait du parc. Effectivement, c'est vraiment très long parce que bah, c'est que des chemins comme ça. Mais c'est bien profond. Regardez comment ça fire. Bon, ça va, il s'enfonce pas de ouf. Mais c'est. Casse-pied. Franchement. C'est pas agréable. C'est pas très très agréable. On a des jolis paysages, etc. Mais bon. On aurait bien été auprès du lac, vraiment, tremper les pieds dans l'eau, ou tremper les pieds dans l'eau sur la plage, tranquillement.
On aurait dû couper par la plage. Comme ça, on se faisait un grand galop pour rentrer. C'est vrai. Et fini. C'était fini. Regardez l'un des derniers chemins. Mais si, sur la carte, tu le vois que c'est un des derniers. Là, c'est tout droit. Regardez, jusque là-bas, tout au fond. Et ça fait... Bon, il y a une bosse, on voit pas. Mais ça fait déjà, je sais pas combien de temps qu'on va tout droit. On sait 15 pieds. Allez, encore une balise où il faut aller où? Tout droit. Tout droit. Allez, ça continue. On n'est pas arrivé encore. On peut se perdre, effectivement. On est arrivé, on a dit 17h13. Ok, on regarde. Bah, je pense qu'il doit nous rester 10 minutes. À 23, on arrive. Moi, je pense qu'il nous reste plus d'une demi-heure. Non, jamais une demi-heure, t'es sérieuse? Allez, au pire un quart d'heure. Mais non, jamais. Un peu avant 17h30. Et toi, on arrive après. Ouais, du coup, on aura fait 2h30, effectivement. De pas. Bon, en tout cas, ils sont pas cramés, les chevaux, ça va. Bali commence à débrancher un peu, là, quand les oreilles, elles sont dans cette position. C'est que j'ai plus le cerveau, voilà. Il avance, parce qu'il faut avancer. Mais il a pas trop transpiré, au final. Il a eu un peu chaud au début, mais effectivement, comme on a fait que du pas, ben ça allait. Moi, il me semblait que Pequero, il était là. Mais où tu es là? Nous, on est là. Oui. Et je crois que le saut, il est là. Mais c'est sur la garonne. C'est la garonne. Quel con. Quel con. Elle me montre la garonne en mode... Mais je crois qu'on était là, alors que nous, on est sur l'océan. Enfin, il y a des centaines de kilomètres entre les deux. On vient de tout là-bas et on va... On sait pas où, mais encore toujours tout droit. Franchement, la fin, c'est un enfer. La fin, c'est horrible. C'est pire que tout. Et oh. Allez, ma beauté ! On vient encore de passer une descente et une montée énorme. On a vu à quel point c'était long. Et là, ça continue encore et encore. Et je pense qu'il doit y avoir... je sais pas, 5 km de tout droit. Mais là, on prend à droite. Quoi qu'il arrive, si les voitures passent, c'est que les chevaux passent aussi. Donc on va à droite. Et on est sur le chemin qu'on avait déjà pris. Et là, Bali, il sait qu'on rentre. Il rentre à la maison, il n'y a plus de problème. Bon, du coup, on rentre tranquillement. Et ce que je peux faire, c'est vraiment, si vous voulez faire cette boucle... La faites pas. Jade vous dit la faites pas. Moi, je dis, si vous avez vraiment envie, l'idéal, c'est de partir le matin, de manger un petit truc au milieu de la route. En fait, vous vous posez tranquillement. Il y a des zones qui sont plus ou moins agréables, avec des points de vue sympas. Il n'y a pas de table de pique-nique, rien d'aménagé. Mais faites attention de vraiment rester sur les chemins cavaliers. C'est vraiment ça qui est important. Donc voilà, ça vous aura peut-être servi si jamais vous vouliez partir. Ne faites pas comme nous. Du coup, ne partez pas à l'aveugle. Jade lève le doigt. Ayez un chien, ah oui, qui vous dit par où rentrer. Oui, mais ça, c'est si on ne suit pas le bon tracé. Vous en avez marre. Faut le prendre en option. On est parti à 14h45. Il est 18h15. Mais tu me saoules, je peux expliquer les heures. Je suis pas en train de calculer. 14h, 18h, tout ça pour dire que ça fait combien de temps qu'on est parti? On a fait une balade de combien de temps? 3h30 de pas. Non, 3h de pas. 3h30. Donc voilà, c'était bien bien long. Je crois que c'est une des plus grandes balades qu'on ait... plus longue balade qu'on ait faite. Parce que je pense que ça n'a pas duré beaucoup en kilomètres, mais bon, c'était long. Il est donc 18h17. J'avais dit qu'on arrivait à la voiture à 17h30. On y est presque. Ça joue à pas grand chose. Si vous avez envie de faire la balade, sachez que ça va être très long. Ne la faites pas. Jade prône le fait que vous ne la fassiez pas. Je suis assez d'accord avec elle, il n'y a rien de bien intéressant, franchement. Je pensais qu'on allait avoir un petit accès à l'eau, mais même pas du tout. Donc ma foi, j'espère malgré tout que vous aurez apprécié suivre cette petite vidéo. Nous là, ça y est, le vent il est juste là, on y est. Ça y est, c'est bon, on est sorti d'affaire. Ah oui, vraiment. Sur ce, je vous fais bien évidemment à tous de très très gros bisous et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Salut. Dis au revoir toi. Donc, salut.